Bienvenue, monsieur. Oh, mademoiselle Jeanne. Oui, monsieur. Le rapport journalier. D'accord. Alors, on a envoyé des mails pour la campagne. Et la semaine prochaine, M. Charles viendra pour une inspection. Et on a notre client qui viendra d'Abuja aujourd'hui à 12h pour une réunion. D'accord. Et par rapport à M. Jack, a-t-il fait les versements? Oui, il a fait un virement de près de 15 millions et ils ont été tous approuvés. Il ne vous reste plus qu'à signer les reçus. Oh, c'est très bien. J'ai besoin des documents et les reçus des paiements. Oui, ils sont tous dans le registre. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Oh, c'est très bien ce que je vois ici. Oui, monsieur. Bien, alors, que reste-t-il à faire? Je dois juste préparer les reçus et vous les apporter pour la signature. Très bien. Dans ce cas, apporte-les-moi pour que je puisse les signer. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ce sera tout, monsieur. Oui, ce sera tout. Dépêche-toi. Nonso, as-tu pu conclure l'affaire avec monsieur... Oui, j'ai enfin pu conclure l'affaire. Et la propriété près de la rue était vraiment très intéressante. Alors, nous y sommes allés, on a fait le tour de la propriété, quel serait le prix. C'est très intéressant, je pense qu'on a une bonne affaire entre les mains. Oh, très bien. C'est très bien. Voilà, il y a quelque chose que je dois te montrer. Un instant, je dois vraiment prendre cet appel, ok? Je reviens tout de suite. Ne dure pas. Allô? Comment est-ce que tu vas? Non, bien sûr que non. J'étais juste occupé, oui, c'est sûr. Salut, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Oui, je peux constater que tu vas bien. Est-ce que tu sais que je t'ai remarqué, demoiselle? Tu le sais, tu es magnifique. Et tu es radieuse. Je le pense vraiment. Merci, c'est vrai. Monsieur. Oui, sûr. Pourquoi n'irions-nous pas dîner un de ces jours? Hein? Ce serait cool. Tu ne penses pas que ça pourrait le faire? Je ne sais pas. Si ça le sera, on y passera un bon moment. Voici ma carte. Passe-moi un coup de fil dans la nuit. Ok. Je le ferai. Oui, tu le feras. Cool. Il y a tellement d'endroits cool que j'aimerais te faire découvrir. D'accord? D'accord, monsieur. Reste sexy. Mais là n'est pas le problème. Vous pourrez prendre celui sur le chemin de la base de Nakley. C'est à propos des 50 millions. Je suis impatient de les avoir. Oh, ce sera formidable. Oui, j'aurai des gens qui vous attendront. J'en aurai certainement. Ok, d'accord. 5, 7... 3, 4, D1. Très bien, je l'ai. D'accord, j'attendrai d'avoir vos nouvelles. Oh, demain? D'accord, à demain. Waouh, écoute, je viens juste de clôturer l'affaire avec ce monsieur. Vraiment? Ouais, ils sont intéressés par la propriété au niveau de la base de Necklet. Génial. Alors écoute, ils arrivent demain. Ok. Et je voudrais que tu les amènes dans les lieux et... Montre-leur tout ce que nous avons là-bas librement. Rassure-toi de leur montrer tout ce que nous avons là-bas. Du moins, tu sais comment ça se passe, non? Ne t'inquiète pas, je l'ai. Je sais, tu l'as dans la peau. Je sais que tu l'as. Au fait, en passant, à propos de Stéphanie, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu ensemble. J'espère que t'as pas merdé. Non, ça va entre nous, mais pourquoi est-ce que tu penses d'abord que c'est moi qui ai merdé? Ok, écoute, toutes ces autres filles sont juste à côté. Je m'intéresse vraiment à Stéphanie, d'accord? Je m'y intéresse, vraiment. Et tu sais ce qu'on dit, profite de la vie pendant que tu es en vie. Et tu sais très bien de quoi je parle. Tu dois le faire, ok? Tu dois te détendre, tu es vraiment trop crispé. Dis-moi en plus. Oui, en parlant justement de se détendre, d'accord? Il y a une fête ce soir. Shikamto. Nonso, je pense que ce sont les documents dont tu as besoin pour les propriétés. Donc rassure-toi de tout leur montrer. Oh mon Dieu! Tu as vraiment besoin de te détendre, toi. Nous sommes occupés. C'est bon travail. Nous sommes occupés.
Bébé. Bonjour. C'est déjà le matin? Oui, c'est le matin. Comment tu vas? Je me porte bien. J'avais juste envie de te parler de quelque chose. D'accord. De quoi s'agit-il? Bébé, tu sais, cette grossesse m'a donné... m'a donné beaucoup de... Elle m'a donné beaucoup de soucis. Aujourd'hui, j'ai les jambes lourdes. Demain, je me sens malade. Je ne peux pas bouger. Le jour d'après, je vomis. Je pense que j'ai besoin d'aide. Je ne peux plus faire tout toute seule. Les tâches ménagères, m'occuper de la maison, de toi... J'ai besoin d'aide. Je suis là, d'accord. Je vais tout mettre en retrait juste pour être avec toi. Je suis là, t'inquiète pas pour le reste. Tu ne peux pas tout laisser. Tu dois aller au travail. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire les tâches ménagères, aller au marché, cuisiner. Tu ne peux pas faire tout ça. Bien sûr, je peux tout les faire. Non, pour combien de temps? Ne vas-tu pas travailler, te faire de l'argent? Tu as des choses à faire. Permets-moi d'avoir une ménagère, s'il te plaît. S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin actuellement. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Si tu insistes. Merci. Je vais t'aider à en trouver une. Ok, alors je vais devoir chercher, passer des coups de fil, demander à mes amis. Tu sais, je voulais d'abord t'informer. D'accord, d'accord. Assure-toi juste de faire le bon choix. Merci, je le ferai. Je serai très prudente. Oh, je vais dormir, je suis tellement fatiguée. Je sais que tu l'es. Je le suis également. Oh. Endors-toi, chérie. Bonne nuit, chérie. Faces Niger, let no one downgrade me, let no one despise me, Ija Oniyawa. This is my country, it's time to upgrade it, it's time to respect it, one love, no yawa. Let us remember the days of our old love as we live it peacefully. Et attends, tu sais, c'est de ce côté qu'on doit partir. Oui, je serai de retour bientôt, ok? Je reviens. Hey. Je vais bien. Oui, bien sûr. Je t'assure, c'est ce que j'endure depuis. Tu le sais, n'est-ce pas? Toutes ces choses de femme enceinte, je me sens bizarre. Parfois, je suis malade. Je sais. Parfois, je suis fatiguée. En plus, il y a toutes ces tâches ménagères. Je dois nettoyer moi-même. Je dois aller au marché. Je dois... Oh, c'est fatigant, je t'assure. Il me faut une femme de ménage. Tu sais que j'avais une femme de ménage, n'est-ce pas? Je le sais. Mais elle m'a volé. Elle m'a volé les bijoux que mon mari m'a ramenés de Paris. Tu me l'avais dit. Depuis, je n'ai plus eu personne. Mais maintenant, j'en ai besoin. Je ne peux pas continuer ainsi. C'est ma fatigant. Ma chère amie, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter parce que je suis là pour toi. Tu veux vivre ici avec moi? Je vais me charger de t'amener quelqu'un qui serait vraiment ravi de t'aider. Vraiment? Oui, elle, c'est ma cousine. Oh, tu es sérieuse là? T'inquiète. Je vais te l'amener. Quand est-ce qu'elle viendra? Donne-moi juste quelques jours. Oh, je pensais que tu allais me dire qu'elle vienne aujourd'hui, non? Je dois voyager, je ferai un aller-retour, tu le sais. Je la ramènerai, calme-toi. D'accord. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, c'est toi qui me la recommande. Je vais la ramener, c'est moi qui t'en ai parlé. Je sais, et j'espère. Tu ne voudrais pas qu'elle soit là? Bien sûr que je veux, voilà. Comment n'oublierai-je pas? En plus, je sais qu'elle aura de bonnes manières parce qu'elle vient de toi. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet. Merci beaucoup. T'inquiète je pas. Je sais. Maintenant, je me sens mieux. T'inquiète pas, ma chère. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Juste quelques jours, n'est-ce pas? T'inquiète pas. Hey. Je t'informerai. Ah. Sois rassurée qu'elle sera avec je toi Je suis ici. Contente. Alors, arrête de te plaindre. D'accord, j'arrête de me plaindre. Merci. Bon, écoute, Nanto.
Tu dois vraiment faire quelque chose concernant ton obsession pour les femmes. Tu te laisses facilement distraire. As-tu vu comment tu m'as complètement ignoré parce que t'as vu une femme? Mais non, ce n'est pas du tout sérieux, ok? Ne le prends pas comme ça, frère. Tu vois à quel point tu dramatises la chose? Ok, tu as prêté attention, j'étais juste en train d'admirer. C'est tout ce que je faisais. Ouais. Écoute, tu dois changer et ça très vite. Ouais, je comprends plus et cela sort vraiment de la raison. D'accord? Au fait, retournons à la discussion. Les clients sont arrivés aujourd'hui et ils ont tous les documents que nous devons signer. Seul processus. J'ai un bon pressentiment par rapport à cette vente. D'accord, on le garde en idée. Mais n'oublie pas de changer. Tu dois changer. Ne me rends pas bête. Pour de vrai, frère. Tu dois changer. Lâche-moi un peu avec ça. Ne sois pas traumatique, frère. Mais écoute, tu as vu comment il marchait, ces boules qui allaient de haut en bas tellement synchronisées. Synchronisées, c'était des mouvements synchronisés. Nonso. Des parties de son corps. Nonso. Je suis excité, là. J'aime me faire partie de la synchronisation des mouvements de son corps. T'es toujours excité, et ça le fait. Comment tu vas, maman? Je vais bien, sois le bienvenu. Tu es vraiment très radieuse, maman. Ah ah. Tu es vraiment la plus belle. Ok, tu t'es décidée à venir voir ta mère aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr, te voir me rend très joyeux. Nonso, alors comment tu vas? Mais tu as très bonne mine. Merci, maman. Tu as décidé de venir voir ta mère. Tu sais très bien que je suis très occupée, le travail. Le travail me prend énormément de temps. C'est ce que tu dis tout le temps. Le travail. Tout le temps. Tu as l'air en pleine forme. Toi également, tu es vraiment très radieuse. Hey! Ça me rappelle quelque chose. Quand est-ce que tu me présenteras enfin cette fille? Quand? Très bientôt. Très très bientôt. Je m'impatiente. Je te trouverai cette fille spéciale. S'il te plaît, fais-le. Mais s'il te plaît, rassure-toi que cette fille spéciale soit de notre tribu. Une fille Igbo. Une fille typiquement Igbo. Une fille proprement Igbo. Pas le genre que ton frère Stanley m'a amené. Oignon fait mani. Maman, l'amour est aveugle. Il ne choisit pas de tribu. Ok, d'accord. J'ai simplement dit ce que je pense. Maman, combien de fois t'ai-je averti de ne pas parler de ma femme avec tant de mépris? Maman, j'ai longtemps passé du temps avec elle. Il m'a fallu du temps pour la connaître. Je l'ai pas simplement ramassée dans une rigole. Arrête de parler de ma femme comme si je l'avais ramassée dans une poubelle. Je vais pas accepter ça. Ça va, frère. Je vais pas manquer de respect à ma femme comme ça. Ça va, je peux ça pas va. Accepter ça. Ça va, ça va. C'est tellement injuste. C'est bon, ça va, frère. On essaie toujours d'avoir un bon moment et toi tu passes autant à le gâcher. C'est bon, je te laisse. Non, c'est Fodo. Tu vois ce que je te disais? Il ne supporte pas qu'on lui dise la vérité au sujet de sa femme. C'est un sujet très délicat, maman. C'est un sujet vraiment très délicat. Comme c'est un sujet très délicat, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas aller épouser une femme Yoruba pour moi. Ramène-moi une femme Igbo, une très bonne femme Igbo, bien élevée. Pas comme lui. Quand on parle, il se met en colère. Pourquoi? Maman, tu es éclatante. Tu es vraiment très éclatante. Tu sais que tu brilles. Je brille pour vous. Tu es vraiment très éclatante. Toi aussi, tu brilles. Strictly for Ninja. Ninja people, et tes tickets faux. Faces Ninja, let no one downgrade me, let no one despise me. Ninja Oniyawa, this is my country. It's time to upgrade it, it's time to respect it. One love, no yawa. Let us remember the days of our world of war as we live it peacefully. In love, one accord. Let us remember, in Amte Asikwe, there is already a right way that should lead us to the right place. Let us remember that we are this country, that we want people as we go come through. In spite of challenges that we might face, I know we so oui, non, c'est quoi de neuf. We shouldn't faint. So let us. Vous êtes dans les lieux? Pas de problème, je serai là bientôt. D'accord, cool. Ok. Let no one downgrade me. Let no
time to upgrade it. It's time to respect it. One love, loyalty. Have you thought of the harm in protecting us from terrorism? Have you thought of the government trying to make everything work out for you and I? So, what are you doing to make Niger a better place for you and I? So, what are you doing? What are you doing, my brothers and sisters? Do not forget, this is your home. Alors, ça va ? Je vais bien, frère. Bienvenue, monsieur. Ouais, merci. Wow. Bon travail. Ce qu'il y a de l'autre côté là-bas, ce sera terminé, disons, dans la semaine. D'accord. Il y a eu un léger problème avec la machine juste là-bas et celle des parpaings, mais on a résolu le problème. D'accord. Tout est sous contrôle, on a vérifié l'intérieur de la maison. Il ne reste plus qu'à travailler avec la machine. J'adore ce que tu fais là-bas. Ah bon? Ouais, c'est bien, cool, bien, c'est bien, cool. Bien. Je te dirai là-bas. Allez, viens, je vais te montrer. J'adore ça. Ah oui? Et l'au-delà, tu comptes faire quoi avec ça? Ceci? Ceci n'est pas encore en tête de liste présent. D'accord. On veut d'abord terminer avec ce côté. Ceci, nous y travaillerons à la fin, mais ce n'est rien, ça nous prendra peu. Oui. Voilà, mon frère. C'est comme tu sais. Tu me l'as appris. C'est du bon boulot. J'adore ça. Ouais. Eh bien, voici la machine qui a eu un léger souci de performance. Oh, celle-ci ? Oui. C'est l'un des engins ? Oui. Il mérite ce bien. Il y a un grand espace. Le plus grand, et j'ai là-dessus une très bonne proposition. On peut actuellement construire la piscine ici. Jusqu'ici ? C'est bien sûr à toi de voir. Tu sais, on peut très bien faire la piscine ici. Yes ? Qui va là ? Gardien, c'est moi. Hein ? Madame Do. Hey, Madame Do ! Hey, comment vous allez ? Ça fait longtemps, hein ? Tatmos. Ah, c'est bien. Comment va? Je suis là. Je suis venue voir ta patronne. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là pour voir. Oui, je vous ai amené la ménagère. La servante pour la maison. Tu surveilles trop. Pardon. Ce n'est pas ton temps. Mais le... Tu as... Vous avez acheté le... Regardez-moi les problèmes. Oui, entrez. Oh, Tommy. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Voici Agatha, la fille dont je t'avais parlé. Hey, salut Agatha. Bon après-midi. Ah. Bon après-midi, bienvenue. C'est ma patronne ici. Mm-hmm. Hey, bon après-midi, madame. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Sois la bienvenue. C'est bien ta sœur, je l'aime bien. Elle a l'air intelligente. Oui, je te l'avais dit. Je l'aime beaucoup. Madame, je vous aime. Merci. Ah. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, comment était le voyage? Ma chère, on comprend. Je sais que tu as besoin de quelque chose à boire, n'est-ce pas? Il fait tellement chaud. Oui. Écoute, tu vas devoir commencer à m'aider immédiatement parce que je suis sûre qu'on va travailler ensemble. S'il te plaît, peux-tu m'aider à lui apporter de l'eau et du jus également? Elle en a besoin. Ah. Le frigo est à côté. Tu l'ouvres, tu prends un verre sur l'étagère, tu le rinces et tu l'apportes. C'est moi qui vais faire. Oui, va prendre de l'eau. Il y a une chose, hein. Depuis que je suis tombée enceinte, tu connais les premières grossesses. Oui, parfois, c'est comme ça. Parfois, j'ai l'impression que mon corps n'est pas mon corps. J'ai toujours sommeil, wow. Je suis toujours wow. Faible. Ah, mais je remercie le Seigneur. Ouais, je ne me plains pas. Oui, alors, tu as dit que le voyage on était comment? On remercie Dieu. C'était vraiment chaud. Les mauvaises, mauvaises routes, les je bouchons. Sais. Je sais. Ce pays, que Dieu nous aide. Alors,
Comment vont les choses? Tout va bien. Tout va bien. C'est bien. Pas le... pas là. De ce côté. Le frigo est par ici. Agatha, n'est-ce pas? Oui, Agatha. Madame. Oui, s'il te plaît, c'est... Madame. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est? La saleté. La nourriture. Non. Je ne t'ai pas demandé d'aller de ce côté. Le frigo est par ici. Vas-y et prends juste un jus, c'est tout. Je vais toujours porter l'autre là, hein. Mais ceci, ça sent beaucoup. Agatha. Je sais que ça empeste, mais tu pourras laver ça plus tard. Sans problème. Tu vas laver ça plus tard. Vas-y, va faire ce qu'elle t'a demandé de faire. Vas-y. Ah. Va la laver, c'est sale. Tu ne peux pas manger ça. Oui. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais laver ça. Manger. Il y a la viande à l'intérieur. Non, je dis que ce n'est pas hygiénique de manger ça. Mon Dieu. Va lui apporter du jus, d'accord? Le jus peut attendre, n'est-ce pas, Nadine? Vas-y. Qu'est-ce qu'elle raconte? Le jus peut attendre, madame. Une heure, le jus peut attendre. Tu ne veux plus le jus. Je vais attendre. Je vais le laver. Il y a beaucoup de plats qui sont sales, sales là-bas. Ne t'inquiète pas, Tantine, je vais les laver. Je te l'ai dit, c'est une belle fille. Ok, si c'est ce qu'elle veut. C'est une bonne fille. On dirait que c'est quelqu'un qui aime travailler tout le temps. J'ai besoin d'une personne comme elle présentement. Elle est vraiment bosseuse. Quelqu'un qui sera immédiatement là pour m'aider à tout gérer. Tu verras, elle sera disponible. C'est ce dont j'ai besoin. Merci beaucoup. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. S'il te plaît, où devrais-je t'apporter le jus moi-même? T'inquiète, ça va attendre. Ok. Allô? Non. C'est juste moi. Écoute, je te rappelle. Je ne t'entends pas. Quel est ton problème? Tu sais quoi? Va-t'en. Sors de mon bureau. Tu ne veux pas dégager de mon bureau? Combien de fois est-ce que je dois me répéter? Dégage de mon bureau. Dégage de mon bureau. Comment vais-je devoir te le dire? S'il te plaît. Attends, quand est-ce que les mamans vont revenir de Jonathan? Après-demain. Après-demain. Tu vois comme je suis là maintenant. C'est juste... Viens. Ce truc... C'est comme si je vais... Regardez-moi ça. Je sais que c'est bon. J'aime les bonnes choses. Comment tu ne vas pas aimer les bonnes choses? Regarde-toi, ce ne sont pas les bonnes choses. Regarde-moi ça. Regarde ça. Remue ça pour moi. Tu peux imaginer? Donc, c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Comme mon bébé. Mon amour. Ma lune de miel. Mais ta façon de mâcher ce truc... Fais-le avec plus de classe. Fais-le. Tu as presque tout terminé. Donne-moi. Écoute. À chaque fois qu'on va manger. Tu sais. Écoute. Tu dois comprendre que... Toi et moi, maintenant, pour la vie, nous allons aller... Partout où les choses
semble bien pour nous ensemble. Aïe. Hey, ça c'est la vie. Viens là, viens là, viens là. Viens, viens ici. Eh oh, mon bébé. Je vais m'évanouir ici. Eh oh, tu veux vraiment t'évanouir? Je veux m'évanouir ici. Viens, attends, écoute. Que personne dans cette maison ne s'approche de mes choses là. Ce sont mes choses. Gare, attends, attends. Laisse-moi voir, je veux voir. Tourne ça encore. Eh oh. Tu peux imaginer? Ça, ce sont des propriétés avec le C du O. Tu imagines? Vraiment? Alors, il y a quoi d'autre? Parce que après ce truc, je ne veux pas que le patron rentre et me trouve ici. Oh, il est quelle heure? Ok, il y a le temps. Bignamon, 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 bignamon. Hey! Mon ami, je t'assure, la vie est belle. Tu sais, parfois, quand tu parles, ta langue me calcine. Hein? Je vais me débrouiller. Est-ce que j'ai dit que ça me dérangeait? Toi seul, c'est ce que tu parles. Mais c'est bon, je suis tranquille. C'est ma langue, pas la tienne. Ce truc est fort. Ça n'a pas de force. Hein? Je ne vois pas la force dans son corps. Je ne te suis pas là. Je ne te suis pas. Tu ne veux plus la sauce? Ah, bébé, je suis là. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Viens, viens, faisons ça vite, vite. Hein? Il faut qu'on le fasse très, très vite. Allons-y vite. Tu sais qu'il n'y a personne. Il n'y a personne au portail. Tu sais que je n'accepte pas que quelqu'un me fait. C'est moi qui vais te faire. Ok. Oui, sera. Je vais le faire. Ok, c'est moi qui sera. Comme d'habitude. Toi. Allez, c'est bon, je suis installé. S'il te plaît, je vais te faire ça chaque jour. Oui, ça ne me dérange pas. Finis avec moi. Ne fais pas, ok? Regarde-moi ça. Petit chaperon. Ne crie pas. Il n'y a personne. Madame va venir, ne crie pas. J'enlève tout ça. Attends, j'enlève. Il n'y a personne dans la maison. Ouais. Attends, j'enlève. Détends-toi. Je suis en train de le faire. Calme-toi. Okay. S'il te plaît. Attends. Attendre quoi? Couche-toi. Couche-toi ici. Je sais que ça.
ça te plaît. Donc, tu veux me dire que ça marchait juste comme ça? Mon gars, ça marchait juste comme ça. À cause des bateaux, il fait juste sortir un peu d'argent. Disons comme tu fais sortir 15 millions, tu comprends? Ça prend environ les 5. D'accord. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. C'est très drôle. Tu veux dire extraordinaire. Vraiment drôle. Agatha? Monsieur? Viens, viens, viens. T'as besoin de t'y mettre, tu sais. Ouais. Alors à propos de tous ces gens-là... Ah ouais, t'as raison. Oui, Agatha, apporte-moi une bouteille de vin et deux verres. Vite, vite. Hein? C'était quoi ça? Ça, quoi? Quoi ça? C'était quoi? Sois plus clair. Pourquoi tu l'as regardé comme ça? Regardez. Oh, frère, je dois vraiment admirer le travail de Dieu. D'accord? Hey, et je pourrais... Principe. Elle est la ménagère de ma femme. Oh. Et t'as pas à la regarder de la sorte. Frère, écoute et écoute-moi très bien. Premièrement, je suis très sérieux. C'est une affaire très sérieuse, ok? Si je n'admire pas le travail de Dieu avec soin, c'est une très mauvaise chose que je fais. Tu as compris? Alors, comme je le disais, c'est très beau. Ouais, c'est vraiment très bien. Ouais. Est-ce que ce sont des verres à vin? Ok. Celui-ci est bleu, ça va ensemble. Oui, attends, monsieur. Attends. J'ai besoin des verres de vin, pas ça. Je ne savais pas où. Je reviens avec. Hé hey. Tu es sérieux? C'est ce par quoi je passe tous les jours. Waouh. Je te le dis. Monsieur, 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 madame utilise souvent ce truc pour ouvrir ce genre. J'oublie. C'est ce que je vois dans cette maison tout le temps, mon frère. Comment ça? Je sais pas, je sais pas. C'est ma femme qui la comprend bien. Je vois. Waouh. C'est joli, hein? Oui, c'est très joli. Ouais, il est là, cet anglais? Non, monsieur. D'accord. Allez, viens. D'accord. Mon bureau. On y va. C'est très joli. Ah, bébé, le cadre est vraiment très joli. Merci infiniment. Bref, s'il te plaît, retournons à notre discussion de tout à l'heure. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on en est avec notre relation? Parce que ma mère me met beaucoup de pression. Il y a plein de prétendants qui veulent m'épouser, alors je veux savoir ce qu'on fait. Hé, bébé, écoute, je te l'ai pourtant dit. Et je te le dis encore. Nous sommes là dedans tous les deux, d'accord? Et tu ne peux pas passer ton temps à dire ça. Nous sommes là dedans tous les deux, oui. Eh bien... Et quelle est la prochaine étape? Tout le temps, nous sommes là dedans tous les deux, nous sommes là dedans. En quoi sommes-nous là tous les deux? Je ne comprends pas. Écoute, mon cœur. Juste pour te prouver que je suis aussi impliqué que toi dans cette relation, d'accord? Je vais t'emmener rencontrer ma mère. Quoi? Quoi? Oui, tu vas faire la connaissance de ma mère, d'accord? Ta maman? Oui, je veux te prouver que je t'aime et que je veux surtout passer le reste de mes jours. Oh, mon bébé, mon chéri, moi aussi je t'aime. Viens là. Viens dans mes bras, c'est ce que je veux entendre depuis. Merci beaucoup. Génial, génial. Je suis tellement heureuse. Pas vrai? Est-ce que j'ai le gloss à lèvres sur mes lèvres? Bien sûr. Vraiment? Oh, mon chéri, t'es tellement gentil, merci. Je le sais, ça. Et toi, tu es ravissante. Merci. Je suis tellement impatiente de voir ta maman.
Bien sûr, je suis sûr qu'elle va t'aimer aussi. C'est une personne formidable. N'est-ce pas? Ouais. Parle-moi davantage d'elle, comme ça je serai prête. Eh bien, elle travaille vraiment d'arrache-pied et... Hé, hey, bébé. Tu vas bien? Alors? On dirait que tu es endormi. Mon nom, c'est... Allez, s'il te plaît, relax. C'est moi. Ok? Alors, approche. Monsieur... Tu as simplement besoin de venir près de moi, d'accord? Il semblerait bien que tu sois mon style. Tu comprends? Tu es mon style. Une fille qui n'a pas été gâtée et corrompue par cette maudite ville. Une ravissante et belle fille du village comme toi, d'accord? Allez, viens. Tu es exactement ce que je veux. Tu veux jouer au jeu avec moi? C'est la seule chose que vous connaissez, non? Vous voulez seulement jouer? Ah, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne seras pas celui qui jouera le jeu. Je serai celle-là qui le fera. Ce n'est pas... Je Agatha! Agatha! Ma! Ma! Attends, ne sois pas pressé, hein. Attends. Tu veux jouer au jeu? Oui. Allonge-toi. D'accord. Combien de temps veux-tu? Je dirais environ 5, mais je ne suis pas prêt. Donne-moi juste 4. 4? Tu vas pleurer. Non, mais moi... Mais non, tu vas pleurer. Je ne pense pas. Ouais. Essaye d'enlever ça. Ouvre les boutons, non? Ça, ce n'est pas du tout un problème. Tu vas aimer. Je vais vraiment aimer. Oui. Tu es sûr que je vais aimer? Les femmes vont tuer ce type. Elles vont en finir avec toi. Ils les échangent comme des habits, comme des chaussures, comme les voitures. Oh, maman. Oh, mon ensoir. Comment tu vas, maman? Tu es vraiment ravissante, tu es rayonnante. Merci. Salut, maman. Comment vas-tu, ma fille? Je vais très bien, maman. Maman, tu te souviens de la fille dont je n'arrête pas de te parler, pas vrai? Oh, voilà. Donc c'est elle. Eh bien, c'est elle. Eh, wow, entre ma fille. Viens t'asseoir. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, comment tu vas? Je vais très bien, maman. Comment était le trajet? Hey, Nonso. Oui, maman. Oh, Maka. Oui, tu aimes les bonnes pas, choses. J'aime les bonnes choses. Regarde-toi. Sois la bienvenue. Surtout qu'elle est si. Vraiment. Mais toi, tu as de grands yeux. Tu aimes les bonnes choses. Eh, wow. Donc, wow, Maka. Tu es si jolie. Merci, maman. Tu es Agatha. Tu vois bien qu'elle t'apprécie. Hein? Hé, hey, mon frère. Un autre est venu. Sois la bienvenue. Est-ce que tu es folle? Qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi es-tu sortie avec les mains savonneuses comme ça? Maman, j'ai savonné dehors. Avant que tu ne dises que je vienne. Devrais-je savonner dehors? Tu fais vraiment honte. Une fille très stupide. Va à l'intérieur lui chercher quelque chose à boire. Anonfia. Ewuwanga. Tu veux que ce soit frais? Rassure-toi que ce soit frais. Peu importe ce que tu ramènes. Je ne sais pas ce qui cloche avec cette fille. Elle doit avoir des problèmes. Ma chère, ne t'occupe pas. Ce n'est pas grave, maman. Hein? Wamani. Tu es si jolie. J'ai bon goût, simplement. Ma chère, alors, comment était le trajet? C'était bien. Hey. Merci, maman. Hey, tu es si jolie. Oh, viens m'embrasser. Ouais, allez, vas-y. Viens, tu es si jolie. Bienvenue. Hein? Merci bienvenue, beaucoup, maman. Merci. Bienvenue, hein? J'espère maman, que tu es tellement gentille. Oh, ma... Oh. Oh, maman, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi est-ce que tu es pieds nus? Vous savez, j'étais actuellement en train de travailler dans la rigole pour la désherber. Oui, et alors? C'est pour ça que tu dois venir à l'étage sans rien avoir aux pieds? Mais mes babouches sont tombées dans la rigole. Alors... Assieds-toi. Assieds-toi. Batmos, ça fait longtemps que tu travailles avec nous, n'est-ce pas? Oui, madame. Et je ne pense pas t'avoir fait te sentir inconfortable en travaillant avec moi, n'est-ce pas? Non, madame. Alors j'attends de toi que tu me dises la vérité. Oui, madame. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ces gens-là, ils ont apporté... Je ne t'ai jamais demandé d'aller travailler dans la rue. Voici l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu prends soin de la maison, ma maison. Mais votre maison est dans la rue, non? Alors, ok, désolé, madame. Je suis désolé. D'accord. Je vais aller droit au but. Oui, madame. J'ai remarqué que tu viens dans la maison, très souvent, ces derniers temps. Oui. Soit tu es dans la cour, avec Agatha, ou alors... Tu es près de la fenêtre, à parler avec Agatha. Ou même encore, tu es derrière, avec Agatha. Et même quand tu laves les voitures, Agatha est juste à côté de toi. Alors dis-moi, et je veux savoir. Alors dis-moi, et je veux la vérité. Qu'est-ce qu'il y a entre Agatha et toi? Agatha, la femme de ménage. Oui, Agatha, ma femme de ménage. Madame. Ah, madame, donnez-moi de la valeur, non? Ah non, quand même, la femme de ménage. Ok, elle est, voyez-vous, elle n'est même pas de ma classe. Non, et en plus, comment je peux être à ce niveau et aller avec quelqu'un de son niveau? Et tous les deux, nous serons à quel niveau alors? Non, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas appelé à rester à ce stade toute ma vie. Cette fille n'atteint même pas le niveau des gens avec qui je m'assois. Si c'était, par exemple, quelqu'un comme ta sœur, oui. Quoi? Pardon? Est-ce que tu vas non, bien? Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il se passe quelque chose. Je vous parle juste des niveaux. Des gens, vous savez, elle n'est même pas dans mon viseur. Vous comprenez? Elle est même pas en dessous de mon Sony le coup. Vous ne pouvez pas me ramener. Écoute. Cette infériorité, oh madame. Mon Dieu, est-ce que tu peux te taire? Est-ce que tu peux te taire maintenant? Écoute, je ne suis pas ici pour écouter ton vocabulaire qui me donne la migraine. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. Je t'ai appelé pour que tu me donnes une simple réponse, oui ou non. Écoutez, je n'ai rien à faire avec Agatha. D'ailleurs, nous ne sommes pas du même niveau. Elle n'équivaut même pas à mon niveau. Voilà la vérité. Elle n'est pas à ton niveau. Vu mon... C'est ce que tu es en train de dire. Mon stade de... Mon stade de vie, elle n'est même pas dans mon hémisphère. Agatha. C'est quoi ça? C'est le gombo. Le gombo? Gombo. Quel gombo? Cette fille, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est comme ça qu'on coupe le gombo dans ton village? Hein?
C'est comme ça que ta mère t'a appris à découper le gombo dans ton village? Maman, ce n'est pas de ma faute. Madame a demandé que je découpe le gombo pour faire le gombo continental. Hein? Y a-t-il quelque chose de bon que tu puisses faire dans ta vie? Dois-tu toujours me faire bavarder? Hein? Dois-tu? Non. Et maman, tu as bavoué moi? Attends. Attendre quoi? L'autre ici, c'est le dernier. Je parle et tu continues? Que vais-je faire de toi, cette fille? Quoi? Hein? Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux même rien faire de bien. Dis-moi, est-ce que, en tout cas, tu vas manger ce gombo? Idiote, que je revienne et que je retrouve ça. Onyara. Moi, je ne fais que découper le gombo continental et je ne fais que te plaindre. C'est madame qui a dit qu'elle voulait le gombo continental. Moi, je découpe seulement. Tu te plains. Pourquoi? Pourquoi, maman? Pourquoi? J'espère seulement que ça suffit. Surprise. Ah, comment, non? Bien, non? Est-ce que tu sais à quel point je suis béni de t'avoir à mes côtés? Je te le dis. Les flatteries de ça. Hey! Non, écoute. Tu ne comprends pas. Depuis le premier jour où tu es entré dans cette cour, j'ai été élevé au niveau de ma libido. Comme si j'avais eu une dure expérience au niveau où mon... Je ne sais pas comment l'expliquer. Comment tu le dirais, toi, quand ton cœur rencontre ton... Je ne sais pas, l'os de la place de ton rein. J'étais en train de m'envoler. Moi, j'ai envie de parler comme toi, oh. Parce que tu parles tellement bien l'anglais. Non, mon anglais n'est rien. Je vais t'apprendre à cause. S'il te plaît, apprends-moi. Je vais t'emmener à des endroits. Regarde, oublie. Tu sais que je suis très riche. C'est juste que je ne veux pas faire toutes ces choses que les gens font. Vivre dans ce genre de maison parce que je veux venir avec humilité et chercher la fille parfaite pour moi. Je suis une fille. Je sais, tu es parfaite. Je suis une fille. Tu es vraiment parfaite. Chef de classe. Je suis un chef de classe longtemps, oui. Je ne sais pas pour l'autre là, mais ça va. Écoute, je veux que nous nous mettons ensemble. Que nous nous connaissions bien. Tu comprends? Je veux que toi et moi soyons unis à un stade romantique qui nous amènera à un niveau, qui nous amènera à un niveau où nous pourrons regarder les étoiles. J'espère que ce n'est pas le jeu que tu es venu jouer avec moi. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Alors dis-moi, t'es d'accord? Dis-moi, non, t'es d'accord, hein? Tu penses que tu peux me gagner à ce jeu? Tu penses que tu peux me gagner à ce jeu? Tu ne pourras jamais me gagner. Je ne joue pas pour gagner. Je joue pour être dans le jeu. Tu sais, hein? Hein? Moi, je sais que je suis la meilleure en ce jeu-là. Quand tu me regardes, hein? Même ces 30 que moi, je prends seulement. Exactement pareil que toi. Mais bon, écoute, je voudrais juste que nous ayons des rapports ensemble. Juste des rapports. Moi, je ne peux pas te comprendre. Moi, je suis déjà perdue. Hein? Laisse-moi, je prépare ma nourriture, s'il te plaît. Tu veux que je te donne à manger? Mais en fait, est-ce un oui ou un non? Je veux juste savoir. C'est oui, parce que je sais que je vais toujours te gagner. Ça ne peut pas être non. C'est oui, parce que je sais que je vais te gagner. Tu penses que tu peux me gagner? Non, regarde un peu cette souplesse-là. Regarde ça. Ah. Ne t'en fais pas. Jouons. Attends, tu sais quoi? Je vais partir et je vais revenir plus tard. La nourriture, que je te la donne avant que madame ne revienne. Oui, il n'y a pas de problème. Amène ça jusqu'au portail. Hein? Tu vas avoir la force. Mais tu connais. Pour Agatha. Pour les rapports. Ça va chauffer, yo. Regardez-moi l'idiot. Il pense qu'il va venir jouer avec moi comme s'il va partir. Ya! Yeah! Ya! Yeah! Je vais te montrer dans cette maison et te prouver que tu ne peux pas me gagner à ce jeu-là. Moi, Sila, tu verras.
Je suis déjà ici. Plus besoin de l'amener là-bas. Pose ça ici. Tu sais, je suis juste ici. Merci. Tu sais quoi? Tu sais ce que je trame dans mes pensées? Juste le fait que je suis pris dans un triangle d'amour. Où tu te trouves à l'angle parfait et moi à l'oscille. Mange-le rien. Tu bavades beaucoup. Ok. Mange doucement, hein. Faut pas t'étouffer. Non, ne t'en fais pas. Mange. Je... Tu sais, c'est juste que tu ne sais pas ce que je ressens pour toi. Tu ne sais pas ce que je ressens pour toi. Sincèrement. Hey. De l'eau. Assia. Ce sont des douleurs d'amour. Des douleurs d'amour. T'en fais pas. Je peux passer partout à cause de toi. N'importe où. À cause de toi. Ça n'a pas d'importance. Moi, où je suis très content. Toi et moi, ensemble. Hé ! Chaque fois que je te regarde, chaque fois que je regarde tes... Pardon, tes... Je vois tes... Oh non. Tu me tues. Tu veux me tuer. Ça va ou tu vas encore manger au dîner le soir? Oh, dîner, tu veux dire dîner? Le dîner, n'est-ce pas? L'autre là qu'on a l'habitude de manger non, en dernier. Non, ce n'est pas mon dîner. Agatha! Maman! Agatha! Maman! Maman, j'arrive! Les garçons, quand ils passaient, ils ont renversé le bidon de pétrole et de diesel. Ils ont tout mélangé et ça s'est percé. Et ça coulait et je n'ai pas vu les autres personnes qui passaient. Le bus passait. Hein? Donc, c'est pour ça que tu te faufilais à l'intérieur comme ça, n'est-ce pas? Tu te faufilais à l'intérieur. Hey! Salut, je t'aime bien et j'aime également ton énergie. Madame visiteur, mon nom ce n'est pas énergie, mon nom c'est Agatha. Donc, je ne sais pas à quoi vous jouez. Vous venez me donner un nom que je ne connais pas. Donc, s'il vous plaît, je ne veux pas les problèmes. Je t'apprécie juste. En fait, quand j'étais assise là-bas, je te regardais. Ok, c'est bon. Mon nom, c'est Perle. Je suis ravie de te rencontrer, Agatha. Je suis la future femme de Nonso. Nonso? Oui, Nonso. Qui ça, Nonso? Hé, combien de femmes Nonso veut-il épouser? Hein? Combien de femmes? Attends. Tu veux dire qu'en dehors de moi, Nonso voit une autre personne? Tu veux venir prendre ça dans ma bouche, n'est-ce pas? Ma bouche, elle est fermée comme ça. Attends, tu veux dire que Nonso est...
Agatha? Agatha? Ma. Ah. Tu sais que ma grossesse me fait me sentir très malade. Alors, je voudrais que tu restes ailleurs. À partir de maintenant, tu ne resteras plus dans ta chambre. Je vais m'y installer. J'ai besoin de tout l'air frais. Je ne veux pas rester dans ma chambre. Il fait tellement froid. Tu connais la climatisation. Il veut respirer, madame. Il a besoin d'air. Il veut un peu d'espace. C'est un garçon, j'en suis sûre. Je... Il n'y a pas de problème, madame. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, tu vas prendre tes affaires et aller dans l'autre chambre. C'est là-bas que tu vas rester maintenant. Je serai la personne dans ta chambre dès maintenant. Oui. Ok, allons-y. Que je puisse te montrer. Suis-moi. Cette chambre est tellement petite. Pourtant, si madame me laissait dans la chambre qui est grande, moi j'allais être à l'aise et tellement profiter.
d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, attends, attends. Hey! Maman, je l'ai vu sur ma femme. Non, non. Je l'ai vu. Attends. Il était laisse-moi sur ma femme. Tu vas expliquer quoi? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. Attends. Je l'ai vu sur ma femme. Que veux-tu expliquer? Laisse-moi t'expliquer. Attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je suis ici? Réponds, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit. Je t'avais demandé de ne pas épouser cet enfant moignou. Non, maman, attends. Elle ne t'a pas épousé par amour, mais pour ton argent. Je pensais qu'il allait être ici. Hey! Maman, je l'ai vu sur elle. Non, hey! Non! T'as vu? Attends, attends. Je l'ai vu. Il était sur ma femme. Écrou, écrou. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. Tu veux expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne m'étonne pas. Je t'avais bien dit de ne pas épouser cet enfant, Manou. Non, non, elle ne t'a pas épousé par amour. Je pensais qu'il était sur ma argent. Je pensais qu'il était je t'avais bien dit. Et toi? J'avais fait quoi ici avec ma femme? J'avais dit. Fais quoi ici avec elle? Tu faisais quoi avec ma femme? Laisse-moi t'expliquer. Tu veux m'expliquer quoi? Attends, attends. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Tu veux dire quoi? Explique. Écoute, maman, je pensais qu'il allait être ici. Tu croyais que j'allais être ici? Oui, oui. Tu n'es pas assez bien pour ici. Elle. Tu n'es pas. Elle le préfère à toi. Maman, pour elle, tu n'es pas assez bien. Ma chambre est supposée être ici. Est-ce que c'est notre chambre? Tu fais quoi ici? C'est moi, Bacchus. Ah, tu vas papa. Bien? Ma fille est là? Bien, monsieur. Elle est à la maison. Bienvenue, papa. D'où ça vient? C'est quoi cette histoire? Hein? Papa! Qu'est-ce que j'entends là? Ça commence quand, ça? Avec toute ton éducation. Quand tu commençais ces bêtises? Hein? Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Ils t'ont attrapé la main dans le sac. Non, papa, s'il te plaît. Personne ne veut m'écouter. Ah, jamais je n'aurais subi un si grand déshonneur. Ah. Papa, s'il te plaît, je suis ta fille. Laisse-moi t'expliquer. Ok. Parle. Ah. Papa, ça fait 2 semaines. Environ 2 semaines maintenant, que j'ai commencé à suspecter mon mari de me tromper avec ma femme de ménage. Papa, toutes les nuits, pendant plus de 2 semaines maintenant, mon mari quitte la chambre à une heure particulière et ne revient pas de la nuit. Je ne sais pas. J'ai commencé à le suspecter. Alors je me suis dit que je vais voir si je peux l'attraper. J'ai demandé à ma femme de ménage de ne pas dormir dans sa chambre, qu'elle aille dormir ailleurs, pour que je puisse y aller. Comme ça, si mon mari se pointait, que je puisse l'attraper la main dans le sac et qu'il ne puisse pas le nier. C'était ça, mon papa. Et je suis juste allée me coucher dans la chambre. C'est tout. Tu n'avais pas à faire ça. Ah, c'est pas digne de toi. Papa, écoute. J'étais dans la chambre. Ensuite, quelqu'un est entré. Je pensais que c'était mon mari. Je voulais qu'il se détende, pour qu'il n'ait plus rien à dire. Juste le temps pour moi de me retourner, qui je vois là? Mon papa, mon gardien. Oh, pitié, pitié, pitié. Et... le gardien? Mon gardien, papa. Ok, dis-moi, ma fille, qui va entendre ça et te croire? Oh, Biyombo, papa, ce que je dis, c'est la vérité. Non. Ce que je dis, c'est la vérité. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, j'étais toujours là-bas, en train d'essayer de comprendre ce que le gardien faisait à côté de moi, sur le même lit. La porte s'est ouverte et mon mari est entré. Non. Seigneur. Malédiction. Malédiction. La porte s'est ouverte et mon mari est entré dans la chambre. Quoi? Et... ton
mari est arrivé? Mon mari est entré. Est-ce que vous faisiez du bruit? Ah, papa, quel bruit! J'étais sous le choc. J'essayais encore de comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Je ne sais pas. Il vient et il te trouve. Je ne sais pas. Papa, je ne sais pas. Et ce n'est même pas de ça que nous parlons maintenant. Le plus important, c'est que... il ose dire que... que je le trompe avec le gardien. Papa, moi. Sa mère n'écoute que lui. Elle n'essaye même pas de m'écouter. Mon mari ne veut même pas m'écouter. Sa mère encore moins. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Aide-moi. Tobiwa. Papa. Ne t'avise pas de me mentir. Ah. Es-tu à 100% certaine que tu me dis la vérité? Ah. Tobiwa. Papa. Tu engages mon honneur ici. Ah. Et tu ne peux rien me cacher. Je suis ton père. Non, mon papa. Je te jure, mon papa. Je jure que je dis la vérité. Tout ce que je te dis, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre que la vérité. Donc, sa mère a le courage oui. de venir me mentir. Attends-moi, j'arrive. Mon papa. On veut faire honte à quelle famille? On veut faire honte à ma famille pendant que je suis vivant, encore vivant. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voyons voir ça. Voyons voir. Mère indigne, tu devrais avoir honte de toi. Hein? Tu devrais avoir honte. Alors c'est cette histoire que tu me racontes? Qui veut être ton beau? Mais je t'avertis, si quelque chose arrive à ma fille, si quelque chose lui arrive, tu ne me reconnaîtras pas. Tu ne me reconnaîtras pas, femme, mère de tous les chiens. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte de toi. Non, toi, honte à toi. Tu devrais avoir honte de ce que ta fille a fait. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Pouvez-vous l'imaginer? Au lieu d'être ici à aboyer comme un chien, tu devrais avoir honte de ce que ta fille a fait. Femme indigne, honte à toi en tant que mère. Honte à toi. Tu devrais vraiment avoir honte de toi. Tu te souviendras de ça. Tu te souviendras. J'attends. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi cette histoire? On veut déshonorer ma famille. On veut déshonorer ma famille pendant que je suis vivant. Stanley, tu es la cause de tout ceci. Pouvez-vous l'imaginer? Au lieu de s'érapisser, il vient crier. Papa, écoute, hein? Ce genre de truc qui est arrivé, hein? Écoute, tu ne dois pas te fâcher comme ça. Nous ne voulons pas que cet événement t'affecte. Pour de l'infidélité? Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, pauvre type? Et c'est à cause de toi, tout ceci. Laisse-moi te dire, je vais voir un guérisseur. Et je vais utiliser les écorces sur ta tête pour que tu fermes ta bouche. Est-ce que tu n'as pas un autre poste de travail? Hein? C'est là-bas qu'on t'a placé. Maintenant, tu me demandes de... Pauvre type. Tout ce que je dis, c'est que ce truc va affecter ton suc gastrique. Ça peut... Tu es un homme. Pense à ton suc gastrique. Pense à tout ce que cette affaire peut te causer. Ça peut te provoquer une hypertension. Tu es là à me crier dessus. Aïe! Oh, c'est même quoi ça? Papa Toniwa, je t'ai appelé ici pour que tu viennes prendre ta fille. Parce que en ce qui concerne les traditions, de là où je viens, quand on attrape une femme, hein? C'est ce genre de truc. On ne laisse pas ce genre de femme rester dans la maison. Alors tu dois venir prendre ta fille. On ne la veut plus du tout. Prends ta fille et pars. C'est pour cette raison que je t'appelle ici. Elle n'a pas honte? Le démon n'a pas honte. Je t'assure que certaines personnes ont vendu leur honte au chien. Où trouvera-t-elle la paix? C'est pas de sa faute. C'est un démon, un vrai démon. Tobiwa, je suis amoureuse. Tu vois aujourd'hui là où l'amour t'a amené? Quand cette femme est venue demander ta main à la maison chez moi, avec son fils ici présent, quand j'ai vu une femme de 70 ans et plus avec une chaîne au pied, j'ai su qu'il y avait un problème. Et lui, un jeune homme comme lui, un jeune homme de son âge, qui met le pain sur sa tête, un pain chaud sur sa tête. Quand j'ai vu ça, j'ai su effectivement que c'était un mauvais mariage. Où en sommes-nous? Toniwa, je ne veux pas te voir pleurer parce que si tu pleures, je vais me fâcher. Je n'ai aucune raison de pleurer. Sorcière de pacotille, je suis ici venu prendre ma fille. Je suis très fier de ma fille et je suis venu la chercher. Prends-la et allez-y. On va aller.
Tobiwa, je suis encore ton père. Je suis fier de toi. Amen. Dans plusieurs domaines. Amen. Tu as donné de l'amour dans cette famille. Tobiwa, dis-leur ce que tu m'as raconté. Parle! Ne l'influence pas. Ne l'influence pas. N'y pense mais pas. Tobiwa, tu ne devrais pas avoir peur. Laisse. Juste. Il y a environ 2 semaines maintenant. Et j'ai commencé à suspecter mon mari de me tromper avec ma femme de ménage. Tu as entendu? Toutes les nuits, mon mari s'éclipse de notre chambre. Est-ce que tu entends? Et après un moment, il revient se recoucher. Et il fait cela toutes les nuits. Mais où est-ce qu'il va entre-temps? Je ne sais pas. Alors à cause de ça, j'ai décidé de lui tendre un piège. C'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de l'attraper parce que je savais qu'il allait voir la femme de ménage. Alors j'ai demandé à la femme de ménage d'aller dans une autre chambre pour que je puisse m'y installer. Comme ça, quand mon mari viendrait, je l'attraperai et il n'y aurait pas moyen de le nier. Ensuite, avant que je ne m'en rende compte, c'était le gardien qui était allongé à côté de moi. Je ne sais pas. Le gardien était là. Est-ce que vous criez? Mais papa, je... Elle s'y plaisait. Elle non. s'y plaisait. Ok. Alors comment ton mari est arrivé là, à ce moment? Je... Il s'est pointé. Comme d'habitude. Il s'est pointé. Il venait finir son travail. C'est ça, la vérité. Iago Vital ne te dira pas l'autre quoi. Tobiwa. Regardez-moi ces sales villageois. Ta tentative de meurtre a échoué. Je ne sais ta pas. Ta sorcellerie a échoué. Aïe. Échoué. Viens prendre dans ma bouche. Juste quand tu mets son travail. Je suis fier de ma fille. Fier de Tobiwa. Tobiwa, prends tes affaires. On s'en va. Va avec elle. On ne la veut plus. Demande coup, à ton fils qu'on ne sait pas la sortir. Oui, nous passons avec elle. Comment ça sortir? Qu'on attend? Non, attendez. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit à ta mère? Qu'est-ce que tu es allé faire dans la chambre de la ménagère? As-tu attrapé Tobiwa avec le gardien, hein? Dis-nous ce que tu faisais là-bas. Je l'ai vu. Que faisais-tu? Le gardien. Prends ta fille et partez. Je réponds pas. Nous partons avec notre fils. Ton fils nous l'a fait. Calme-toi. Non, attends. Partez. Mais allez où, maman? Partez. Partons. Restez avec notre maison. J'ai dit qu'elle va partir. Elle va partir. Batlus. C'est le moment de dire la vérité. Tu me connais. Et je sais que tu me connais. Oui, voilà. Papa. Écoutez, honnêtement, je n'ai jamais haussé ma voix pour crier sur qui que ce soit. Je dis qui que ce soit dans cette cour. Je ne mens pas. C'est la vérité. Vous le savez. Oui, c'est monsieur. C'est à moi que tu parles tout en vocabulaire. Je me le demande. Tu recommences? Non. Batlus, tu sais... Bref, oui, hein? tu sais que j'ai le Njunju. Alors, méfie-toi de moi. Parle maintenant. Ok? Messieurs, elle et moi nous faisions des choses. Et ce n'est qu'elle et moi qui le faisions. Qui ça? Elle, là, et moi. Et tu ne connais plus son nom? Et tu veux dire Agatha? Oui, monsieur. Mais appelle-la. Agatha. Oui, Agatha, appelle-la. Agatha? Agatha! Agatha! Maman, amène-toi ici. Bienvenue. Ne t'en fais pas. Viens. Iwonyare. Agatha. Ça va? Papa. Je vais bien. Il paraît que toi et Batlus, vous jouez souvent dans la nuit, c'est ça? Ha! Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est jouer? C'est le game! Et c'est moi qui ai l'habitude de gagner. Je t'ai gagné 2 fois. C'est faux. Oui, c'est faux. Vous... C'est faux. Taisez-vous. Je ne comprends pas. Agatha, alors avec qui d'autre est-ce que tu joues dans la nuit, hein? Dis-nous. Ce n'est qu'avec moi. Que... Hein? Regardez-moi celui-là. Tu crois quoi? Même le patron qui s'y fait ça, non? Quel patron? Hey, quel patron comment?
Le patron qui est assis là-bas, non? Quel patron encore? Chaque fois qu'il veut faire, je lui dis que c'est moi qui fais en haut. Je monte, je fais. Et il joue le jeu. Hein? Et c'est toi qui gagne le match? Je le gagne, papa. À chaque fois, je gagne toujours. Ils sont complets. Je gagne aussi celui-ci. Hey. Avec lui aussi? Non, sauf toi. Sauf passé par là. Agatha, non, toi. Toi. Seulement toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as osé coucher avec mes fils? Où on y est? Tu as osé le faire? Je n'ai qu'une idée faute maintenant. Je ne sais même pas. C'est la faute de ma fille. N'est-ce pas à chaque fois que tu viens me trouver sur le lit là et que tu veux me faire? Comme ça, c'est toujours moi qui te fais. Dis la vérité. Hey, arrête. Ok, bébé, je ne sais même pas de quoi est-ce qu'elle parle. Elle déraille complètement. Arrête de faire les histoires. Pourquoi est-ce que tu fais les histoires? Hey, qu'est-ce que tu racontes? Mais à chaque fois que tu viens dans la nuit pour qu'on le fasse, c'est moi qui monte. N'est-ce pas la dernière fois qu'on l'a fait? C'est moi qui étais en haut et je t'ai gagné. Chaque jour, c'est toujours moi qui monte. C'est moi qui monte et je te gagne toujours. Dis la vérité. Je suis finie. Premièrement, j'ai de la classe. Je ne vais jamais, jamais. Bébé, tu n'as pas écouté tout ce qu'elle raconte, ok? Tu sais que je t'aime. Je t'aime avec toute ta beauté. Et tu es si jolie. Bébé, s'il te plaît, tu sais très bien que je ne peux jamais faire ça. Je jure devant Dieu que je dis la vérité. Je jure devant Dieu que je dis la vérité. Maman, l'autre jour, il est venu. Il voulait qu'on le fasse. On a commencé. Hey, tu es malade. Il s'est mis à pleurer comme un petit bébé. Hey. Ferme-la. Ferme. Je jure devant Dieu, je vais te tuer. Je ne vais pas me soucier de... Chérie, j'essaye de te joindre depuis. Je t'ai envoyé des messages, mais je n'ai reçu aucun retour. Que se passe-t-il ici? À qui est-ce que tu parles? Excuse-moi, qui est ton chéri? Bien sûr. Ton chéri, essayes-tu de m'ignorer? Je ne te refuse pas. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que je ne te connais même pas. Bébé, je ne la connais même pas. Tu es en train de me dire que tu t'en feras de mes nouvelles. Bébé, écoute. Celui qui est parti l'a joué. Écoute, bébé, je t'en prie. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est le patron. Même le patron, il a joué. C'est bon, arrête. J'ai dit arrête. Dis-toi. Tu as raison, papa. Mais c'est un mensonge, bébé. On peut arranger ça, je t'en prie. Je suis sûr qu'on peut régler ça. Je t'en prie. Allez, papa. Tant qu'elle a reçu 20 fois. Assieds-toi, je t'en prie. Écoute-moi. On peut régler ça. On peut régler ça. Toi, t'as qu'à lui dire que c'est pas vrai. Maman, parle-lui. Maman, parle-lui, ne reste pas assise. Regardez-moi celle-là. Bébé, je t'en prie. Bébé, pourquoi est-ce que tu l'as fait ça? 70 fois. Non, tu ne sais plus. Je t'en prie. Ne bouge pas. Marche. Allons-y. Agatha, tu n'aurais pas dû me faire ça. Pardonne-moi.